Patou. Oh mon dieu, le moment où je dis Patou, je te trouve un peu nul. Il arrive, il fait... Non, tu me trouves pas nul. Moi, ok, je suis Patou. Je suis le mec le plus puissant de la Terre. T'as jamais vu un mec aussi cool que moi. Et là, je fais... Ok, Patou, ok, ok. Yo les trashers, salut à tous, c'est Philrong. Bienvenue dans cet épisode numéro 4 déjà de Pokémon Uranium. Aujourd'hui, le défi... Vous êtes des petits malins, vous avez choisi qu'à chaque Pokémon mort, je vais devoir intelligemment vous montrer des photos de ma jeunesse dorée, parce que vous allez le voir, hein, si j'ai des morts, et ben j'étais très beau gosse, hein, quand j'étais petit. Alors. Ok. J'étais pas allé là encore. Et c'est parti. Kinetmunk. Toujours ce look hein, des Pokémon, mais Patou va le défoncer avec... Ah oui, c'est quoi déjà mes... Oh mon dieu. Qu'est-ce que j'ai déjà comme PC? J'ai PC Roche avec ce truc. Hein. Patou. Oh là là, la baie au rang de Patou qui avait tout prévu. Patou, vraiment le beau gosse. Ça fait quand même assez mal, hein, ces attaques, faut bien l'avouer. Voilà, niveau 18, Patou. Kostrow, c'est qui déjà? Oh là là. Ah, je connais pas ce Pokémon. C'est très moche. Si, je crois que j'en avais rencontré un, mais je l'avais pas mis dans l'épisode dernier. Oh mon dieu. Allez, Patou, PC Roche. Pourquoi je fais pas incinération? Oh non, oh non, non, non. Non! Patou! Non! Vous devez voir une image de mon adolescence. Comme vous pouvez le constater, j'avais vraiment un swag intergalactique quand j'étais jeune. Ah bah cet épisode commence bien, hein, putain. Patou, tu me... Hein? Est-ce que je peux avoir des directions? Je pense que j'ai pris un mauvais tournant. Ok. C'est un petit triathlète. Avec encore un Kinetmunk. Ah, ça fait des chats. Ah oui, mais attends, non, parce que j'ai... Oh là 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 là. Attends. Patou. Oh mon dieu, le moment où je dis Patou, je te trouve un peu nul. Il arrive, il fait... Non, tu me trouves pas nul. Moi, ok, je suis Patou. Je suis le mec le plus puissant de la Terre. T'as jamais vu un mec aussi cool que moi. Et là, je fais... Ok, Patou, ok, ok. Ok, ok, j'avoue que t'es quand même super swag parfois. C'est quand même assez dingue. Attends, il y a un truc là, non? Oh, un secret. Non. Il y a rien. Rien du tout. Ok. Là, il y a un pêcheur. Bonjour, pêcheur Jean-Louis. Comment vas-tu? Ah non, il s'appelle Luc. Il a un cocaron. Alors, ce truc, c'est insecte. Hein. Insecte eau. Insecte ou insecte eau? Insecte. Voilà. Faut écouter à l'intérieur de vous. Folrog. Oh mon dieu. Je le sens bien, allez. Allez, ténèbres. Pas de poison, Patou. On a dit pas de poison, voilà. Bon, c'est bon. Tu bats un Pokémon haut alors que t'es type feu. Bon, l'adversaire n'a... Ce Pokémon, il est triste quand même parce que c'est un Pokémon de type haut poison qui n'apprend pas d'attaque de type haut. Un peu triste quand même. Voilà, Patou au niveau 20. Braylip. Ce Pokémon est tellement moche. T'es tellement moche, mec. Ah oui, par contre, il tient bien les coups. Patou. Comme à l'entraînement, hein. Je le sens bien.
Putain, mais il est super bulky. Attends, parce que... Oh mon dieu, il va mourir. Patou va mourir. Oh, je l'ai prédit. J'allais switcher, mais je l'ai prédit. Vous devez voir une autre photo de mon adolescence. Oh, Patou. Bref. Allez, Michel Oiseau. Toi, tu ne m'as jamais déçu, tu ne me décevras jamais, je le sais, Michel Oiseau. Voilà, sauf qu'évidemment. Putain. Feather Dance, c'est de la merde, on s'en fout. Ça baisse l'attaque de l'adversaire. Waouh, waouh. Non, je veux pas ton numéro, tu m'as forcé à montrer une photo de mon adolescence, merci. Ah, une cave. Tout ce que j'aime, évidemment, surtout dans le jeu. La Comet Cave. Tonemi. Pokémon préféré de tous nos amis. Fils de putiste, évidemment. Pokémon de type poison. Qu'est-ce que tu fais à ce pauvre rocher? Mais attendez, j'ai pas force. Est-ce que je suis sérieusement... Est-ce que j'ai fait toute cette route pour rien? C'était là qui bloquait. Voilà. J'ai trouvé la route. Ici, c'était là où il bloquait l'autre fois, mais bon. Saloperie. Bon, bah du coup, j'ai fait la route pour rien. Mais j'ai quand même battu des dresseurs en échange de photos de mon adolescence. Mon dieu. Voilà, charge. Moi je veux avoir des types oiseaux là pour faire pisser roche dessus là. Des types oiseaux. Le type oiseau. Mais moi je dis beaucoup de type fantôme, j'ai remarqué. Oh mon dieu, le coup critique. Patou a tenu, mais c'était dur là pour lui. Luna pup. C'est type quoi ce truc? C'est type lune? Type fée? Oh, sa mère, c'est type sol. Putain, Patou, t'es pas incapable de tenir des coups dans ta vie! S'il vous plaît, j'en ai pas à l'infini des photos de mon adolescence, donc essayons de nous sentir de voilà. Ce serait bien que ça s'arrête au bout d'un moment. Patou, tu me déprimes un peu en vrai. Putain, déjà trop. Oh mais je veux pas ton numéro, putain, salope. Ah. Ah mon dieu. J'ai un bébé. J'ai une petite sœur bébé. Oh oui, je veux voir une photo. Oh, elle est trop mignonne. Ah, c'est ça ta petite sœur. Elle est laide ta petite sœur, meuf. Oh non, mais putain, lui il me casse les couilles à chaque fois à me faire bâillement. Salope. Salope. Allez. Ah non, c'est un mâle en plus. Aïe. Un. Ouais, c'est bon. Easy. Easy. Oh putain, non. Non. Me refaites pas le coup. Oh, mais c'est quoi cette histoire, putain? C'est pas possible ça! Il m'a infligé 3 dégâts! Je dois vous montrer une autre photo de merde, putain! Ta mère! Oui, je sais, j'étais moche à cette époque. Putain! Michel Oiseau, quoi. Ta mère avec une appuple.
Pas possible ça! Ah, je l'ai brûlé. Il essaye de setup le mec. Et bah tu sais quoi meuf? Ta petite sœur là, tu vois, quand elle aura 18 ans, ce sera une grosse cassos. Elle couchera avec tous les mecs de la terre et elle souffrira beaucoup. Et voilà. Et c'est bien fait pour toi. Ah, il est bien celui-là. 9. Joli magnitude 9. Ah là là. Incroyable. Oh, je lui passe à travers lui. Bah alors. C'est très moche comme Pokémon. On dirait un Pokémon qui a été designé par un... Non, pas tout. Oui, calme-toi. Oh mon dieu. Oh mon dieu, je vais devoir perdre un Pokémon, je le sens. Oh non, pitié, s'il te plaît. Tiens le coup, John Michon, Je suis niveau 26. Ah, il a fait beat. C'est bon, il a fait beat. Qu'est-ce que c'est que ces dégâts? Mais c'est que je vais perdre! Oh mon dieu, oh je vais devoir vous balancer toutes mes photos qui me restent. Oh putain, Hugo posé. Abusé les dégâts qu'il m'a mis. Ma dernière chance, c'est pas tout quoi. Oh merde, je suis dans la merde. Putain, pourquoi il m'a... Oh mon dieu. Ok, si j'ai une chance, avec c'est toi. Oh putain, ça fait tellement de photos à mettre. J'ai fait ça parce que je suis con et ma flinche de toute manière. Abusé. Allez pas tout tu... Ah mais non, il pourra pas le faire. Il peut pas prendre deux attaques. Il peut pas prendre deux aquajets. Et voilà, je me suis fait wipe comme une merde. What? Pas tout. C'était quoi ça? C'était quoi cette survie de l'impossible? Trop fort. Mon dieu, je sauvegarde. Oh, pas tout, mon dieu. Oh, pas tout. Salut. Ah, j'ai encore laissé Patou en premier. C'est parce que je suis tellement tombé amoureux de Patou. Ce Pokémon est moche. Je pense qu'il a une grosse défense spéciale. Oh, Patou. Patou. Il est parfait, ce Pokémon. Ok, jamais je ne t'abandonnerai. Il est trop fort. Je le préfère à John Michon, quoi. Je préfère Patou à John Michon. C'est plus John Michon qui est en danger, hein, là. Parce que lui, John Michon, je suis désolé, mais ça, il a jamais évolué. Je sais pas quand il évolue. Ça m'énerve un peu. Michel Oiseau, il est entre les deux. Il est bien. Un coup, il est nul. Un coup, il est bien. Bon, classique. Le Rochefeld Tunnel. J'espère qu'il est pas long, parce que c'est quand même un peu relou, honnêtement. Ça fait presque une heure que je suis dans le truc. Modril, t'es moche. Crève. En vrai, il faut que je fasse retour, ça fait beaucoup plus mal. Allez, Michel Oiseau, Scaryface, c'est de la merde. En plus, tu fais pas peur, t'es juste mignon. Vous vous foutez de ma gueule? Je m'en fous, je le défonce. Vous croyez que parce que c'est mon Pokémon préféré, je peux pas le tuer? Vous pensez que j'en suis à ça dans Pokémon? Non.
Jamais de la vie. Par contre, qu'est-ce qui prend comme coup? Oh là là! Arrête avec les vives attaques, tu te fais du mal. Oh là là, ça m'énerve. Allez, Michel Oiseau. Est-ce qu'il va évoluer un jour? Non, je pense qu'il est pas très motivé pour évoluer. Ah, vive attaque. Comme tu me casses les couilles comme attaque. Allez, coup critique, là. Coup critique, je le sens bien. Michel Oiseau, fais comme Patou. Coup critique. Putain, j'ai plus de photos de mon adolescence. De toute façon, Michel Oiseau était pas bien dans cette grotte. Ça ne lui allait pas. Ah, pauvre Michel. Putain, il a encore des Pokémon, lui. Casse-moi pas les couilles. Un saut lourdeau. Oh, pas tout. Pas tout. Scorpion, en vrai, il est casse-couille à tuer pour... Mais en même temps, non, il spam vive attaque, hein, donc ça va pas me faire grand-chose. Arrête de spam... Pour l'instant, je n'ai vu que des vives attaques de Scorpion. Je ne sais même pas s'il a d'autres attaques. Quand même fou, quoi. Ah, ça y est, il fait autre chose. Mais il est mort, du coup. Bon. Tu peux le faire. Ouais, le Sturdy, évidemment. Les Pokémon des caves, c'est les pires Pokémon de la Terre. J'ai envie de les tuer. J'ai envie de casser mon ordi. J'ai envie de casser ta mère. Aux Pokémon, évidemment, pas à toi qui me regarde. Parce que je suis gentil, je suis poli. Mais au bout d'un moment, c'est chiant. Ils prennent tous deux coups pour être tués. Ils ont Vive Attaque. Ils ont Sturdy. Ils ont Flame Body. Non, ça c'est moi. Ta mère. Voilà, j'en ai marre. Hop. Merci. Oh putain, dis donc qu'il prend très peu de dégâts lui. Il est défensif. Arrête les Vive Attaque. Bien fait pour toi. Ah mais il évolue là, John Michon, il évolue au niveau 28. Oh trop bien, j'ai trop hâte. Oui, il finit le combat là, que je puisse... Oui, oui, c'est bien. C'est bien. Oh là là, John Michon, en plus il évolue. Attention. Grégory Son. Évolution. On m'avait dit niveau 28. Oh putain, Saras, je me fais avoir à chaque fois. Ah, merde, bon. Oh la sortie. Je suis toujours pas dans une ville. C'est incroyable. Il y a 70 000 trucs qui se passent. En plus, je lag. Oh mon dieu. Tu vois que... Il y a des Pokémon partout dans le sable. Oh, il me donne un super rappel. Merci. A few moments later. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ferrit ou Vinoville Town. Oh, enfin une ville. Oh mon dieu. Mais d'abord, je veux finir d'explorer le coin. Hyper potion. Et là, j'ai pas surf, il me faut surf. Et là, il y a... Oh putain, Théo. Ah là là. Bref, tu as survécu au voyage, oui. Tu as le truc pour traduire le speech des Pokémon, oui. Le professeur Bambou m'a appelé pour me le dire. Il m'en a envoyé un. Putain, mais mec, t'as rien mérité, t'as fui la semaine dernière. D'accord, il est à Rochefal. Quelle ville ennuyante. Et je me suis entraîné. Oh mon dieu, il va. Mec,
Tu es une sous-merde. Ta personnalité générale est celle d'une sous-merde. C'est quoi ce truc? Moi j'ai PC électrique sur mon Pokémon. Merde, il est au sol. Putain, comment tu veux que je prenne? Oh non, Michel Oiseau, critique, putain. Il est hors de question que je perde ne serait-ce qu'un seul Pokémon contre Théo. Hors de question. Personne ne meurt contre Théo. Aucun mort. C'est niet. Niet basta. Il n'y a pas de mort contre Théo. Genre vraiment, c'est hors de question. Je ne le supporterai pas. Aveden, c'est l'oiseau, hein. Je vais juste me soigner. Allez, Michel Oiseau, tu peux le faire. Tu peux le faire. J'ai confiance en toi. Moi, j'ai PC électrique. Ok. Allez. Easy. Easy. Voilà. Très, très bien, Michel Oiseau. C'est bien. Ça m'a coûté 2 potions, mais... De toute manière, pour niquer Théo, y a aucun... Aucun truc bien. Lunapup. C'est quoi déjà ce truc? C'est type sol, hein. On va mettre John Michon. On va mettre John Michon. Allez, John Michon. Magnitude. Magnitude 6, c'est nul, ça. John Michon, tu peux faire mieux. Allez, le deuxième, tu vas... Par contre, là, on est d'accord pour dire que la musique est nulle. Hein. Oh là là, l'anticipation de Fildrong. Tellement de potions parce que je veux pas perdre un Pokémon. C'est... Je pourrais pas. Je veux dire, physiquement, ça me ferait du mal de perdre un Pokémon contre un dresseur aussi nul que Théo. Tu vois? C'est pourquoi je vais toujours tout faire pour ne perdre aucun Pokémon. Hors Shinx. Double faiblesse feu. On rappelle, évidemment. Ah oui, avec ton petit chat-pinceau, là. Incinération. Oh, bah alors, tu fais quoi, Théo? Eh bah, tu retournes pleurer dans les jupes de ta maman. Hein? Hein? J'ai... Oh là là, il a toujours des excuses, il dit qu'il a pas pris le bon starter. Il faut aimer tes Pokémon, Théo. Grosse merde. Oh, il pleure encore, je m'en fous. Mes Pokémon sont les plus forts. Ils étaient juste faibles. Mes Pokémon sont les plus forts, ils étaient juste faibles, d'accord? Ok. Ils ont eu de l'expérience de cette bataille. Bah non, tu m'as mis 0 Pokémon KO. Je vais challenge le gym. Ah putain. Théo. Pire rival de toute la terre. Mais je vais où là? Ah, il y a un bateau. Bonjour. Ok, je peux pas y aller. Pas encore, bientôt je pense. Oh, j'ai trouvé la Bill Beach. La cité de Bill Beach. Bonjour. Attends, il y a une Pokéball là, mais je peux pas y aller. Bonjour, enfin une ville. Oh mon dieu. Eh ben écoutez, on va visiter la ville la semaine prochaine. Dites donc. Non, merci. On en a bien chié. Je suis très content d'être arrivé. Ah bon. Bon bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous vous êtes bien marrés devant les photos de mon adolescence. Et puis n'hésitez pas à commenter, à liker. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne de Pokémon Trash. Et puis bah à ma chaîne YouTube Fildrong. Si c'est pas déjà fait, et moi, en attendant la prochaine, je vous dis tchuss.